Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est le frère Olivier Kemen. C'est compliqué de parler. J'aimerais rendre témoignage à d'un homme qui est mon père, que ce soit dans la foi et pratiquement m'a adopté en tant que fils, qui a vu mon mariage, qui a vu mes enfants naître. Et je fais cette vidéo vraiment révolté, révolté, fâché, d'entendre des mensonges, des faussetés. Des faussetés. Je tiens d'abord à dire que cet homme m'a soutenu financièrement, m'a hébergé, m'a nourri chez lui, avec sa femme. Leurs enfants m'ont accueilli, moi et ma famille. Ne m'a jamais demandé un seul euro. S'est toujours occupé de moi comme un père l'aurait fait. Alors quand je vois ce qui se dit, je me dois, en tant que fils, de me lever. Je n'arrive même pas à parler tellement que les propos que ces personnes utilisent sont méchants et blessants. Un Congolais comme vous met en place un hôpital pour soigner les pauvres gratuitement. Comment se fait-il qu'on arrive à être aussi à ce point méchant? En tout cas, votre affaire, on laisse entre les mains du Seigneur. Mais en tout cas, je voulais simplement rétablir la vérité sur ce qui a été dit. Je suis footballeur professionnel et international camerounais. Et cet homme ne m'a jamais demandé un euro et m'a toujours soutenu. Toujours. Que ce soit financièrement, hébergé, chez lui, nourri. Alors voilà, que la vérité soit mise en lumière et j'assume complètement mes propos. Il faut arrêter. Il faut que ça cesse là. Il faut que ça cesse.